entend souvent dire la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et culturellement, nous constatons que la valeur santé est de plus en plus envahie par une série de mots qui ne viennent pas du secteur, ne viennent pas de ce domaine, mais qui viennent du domaine du marché. Ainsi, on entend la notion de rentabilité, d'efficience, de sélection des risques, de rapport coût-bénéfice, de client, de marché, de fournisseur, de débouché, de concurrent. Et à force de les entendre, ces mots ne nous choquent plus. Partout en Europe, la privatisation et la commercialisation de la santé se développent. Mais en fait, de nombreux mécanismes sont à l'œuvre. Certains sont spécifiques à l'un ou l'autre pays, d'autres par contre couvrent la plupart des pays européens et bien plus largement au niveau mondial. Nous, aujourd'hui, nous voulons nous centrer plus sur la réalité européenne, pas parce que le reste n'est pas intéressant, au contraire, mais parce que nous pensons qu'il y a un endroit où nous pouvons agir ensemble. Or, au sein même de l'Europe, nous avons des réalités extrêmement variées. Les pays du Nord, qui ont pu encore préserver un modèle de protection sociale relativement important et une situation économique qui leur permet plus ou moins de le préserver, des pays du Sud qui ont été largement mis sous pression au niveau budgétaire avec des dispositifs de protection sociale qui s'en trouvent largement affectés, et des pays d'Europe centrale ou de l'Est qui, globalement, restent en difficulté dans la construction d'une protection collective en associant les dispositifs collectifs au régime antérieur. Mais partout, au nord, au sud, à l'est, la commercialisation gagne du terrain. Jean Vigne, qui est secrétaire général du syndicat français Sud Santé Sociaux, va illustrer une série de ces mécanismes rencontrés en Europe à partir de l'exemple français. Ensuite, nous énumérerons brièvement, vu le temps qui nous est imparti, les conséquences de cette commercialisation sur la santé publique. Et nous tenterons de répartir les responsabilités à la fois européennes, nationales ou régionales suivant l'organisation des services de santé. Et je vous propose de conclure avec une série de perspectives d'action. Jean. Merci. Bonjour à toutes et tous. Sur le premier mécanisme, je vais vous parler, c'est une longue histoire, de la privatisation de l'intérieur de l'établissement public de santé à travers les procédés budgétaires. Cette histoire commence avec deux lois, en 1970 et en 1991, et ces deux lois vont progressivement mettre les établissements, les services de santé publique en concurrence. Les attributions budgétaires ne seront plus l'affaire d'efficience, de rendement, de contrat objectif moyen, comme l'a dit Yves, en instrumentalisant peu à peu l'autonomie des services, en les appelant des pôles, en charge de gérer eux-mêmes une partie des moyens qui leur seront alloués. Quelques années plus tard, avec la mise en œuvre du plan Hôpital 2007, on va en finir avec les budgets dits inflationnistes, budget global, qui était une dotation globale donnée aux établissements hospitaliers, pour leur substituer une tarification à l'activité, sous couvert de modernisation. On verra alors se créer des départements d'informatique médicale dédiés essentiellement à la comptabilisation des actes. La maîtrise ne sera pas médicale, mais comptable en matière de santé. Cette tarification à l'activité va être l'arme de la convergence tarifaire entre le secteur hospitalier public et le secteur hospitalier privé lucratif, le secteur commercial. Ce financement à l'acte standardise artificiellement le coût des soins par pathologie
et crée une inégalité de traitement entre le secteur public et le secteur commercial. Cette concurrence est faussée du fait que le service public a comme mission, contrairement au secteur commercial, la formation, la recherche, la prévention et l'éducation thérapeutique. Dans les mécanismes qui vont se mettre en place, on va avoir un appauvrissement du service public. Tout d'abord, on va considérer l'appauvrissement humain et qualitatif. 65 à 70% des budgets hospitaliers sont dédiés aux dépenses en personnel. Donc ce sont les personnels eux-mêmes qui vont servir de variable d'ajustement à la pression économique qui va être mise sur les établissements. Pour ce faire, on va utiliser des nouvelles formes de management directement issues de l'industrie, notamment le benchmarking et le lean management. Le lean management, ou chasse au temps non productif, va introduire une vision terroriste du soin, aggravée par la mise en œuvre de protocoles et mettre à mal la capacité des soignants à faire preuve d'intelligence, d'initiative face aux citoyens de soins, aux situations de soins. Les personnels vont être transformés en objets, en robots. Le benchmarking, ou mise en concurrence, va se déployer à travers des entretiens annuels d'évaluation qui vont mettre en concurrence les soignants les uns par rapport aux autres dans des systèmes d'évaluation. Cela va finir par fragiliser les collectifs de travail par une individualisation à outrance, à opposer les personnels les uns aux autres. Et ces méthodes sont mortifères dans des métiers où le fondement de l'exercice est le travail d'équipe. Les effets conjugués de ces éléments conduiront à des situations de maltraitance et pousseront les professionnels vers la dépression, la fuite et parfois le suicide. Dans le plus grand établissement parisien, depuis le début de l'année, il y a eu 8 suicides professionnels. Il y a eu 5 suicides à l'hôpital de Toulouse l'an dernier, et avant-hier, il y a encore eu 1 suicide de médecin hospitalier à l'hôpital de Grenoble. On ne dénombre plus le nombre de suicides actuellement dans nos établissements. Autre mécanisme, la baisse de la qualité de prise en charge résultante va introduire une baisse de notoriété des établissements qui va être préjudiciable au service public. Effectivement, depuis 2 décennies, les journaux spécialisés vont sortir des indicateurs avec des classements d'établissements. Ces classements d'établissements seront généralement en faveur des établissements hospitaliers et commerciaux du fait de la notoriété et du fait que les établissements publics qui acceptent tout le monde vont avoir des critères d'évaluation liés sur le nombre de décès, etc. Et ça va créer aussi des différences entre les différentes régions. Autre appauvrissement, l'autre c'est par la privatisation et l'externalisation de services. Dans les années 2000, sous couvert de resserrer l'établissement hospitalier autour de son cœur de métier, petit à petit, on va externaliser des fonctions dites support, blanchisserie, jardin, etc., cuisine. Et tout d'abord, on va commencer par les mettre en pôle autonome, et au fur et à mesure des mises en place des pôles autonomes, ce sera plus facile à un moment donné de les sous-traiter par des compagnies extérieures privées. Sauf que, de même, en fait, c'est oublié très vite que l'environnement, la nourriture, la qualité de l'hospitalisation interviennent au moins, pas tout autant, mais au moins à 30% dans les processus de guérison et de récupération. Le soin n'est pas qu'un geste technique. De même, les activités techniques telles que la biologie clinique et la biologie feront l'objet d'une externalisation par regroupement d'activités et seront la plupart du temps transférées au secteur privé. Approvisionnement financier par la privatisation des emprunts et des investissements immobiliers, les PPP, comme on les appelle en français, en Grande-Bretagne. Les partenariats publics-privés consistent à contractualiser avec les entrepreneurs privés la concession et la gestion pour plusieurs décennies de la partie immobilière des établissements. Ça donnera un scandale majeur en France autour de la création de l'établissement au sud de l'île de France. Et c'est une technique que déjà Thatcher avait testée à l'époque en Grande-Bretagne pour ne pas s'attaquer le front au NHS, mais commencer la privatisation du NHS par la privatisation de l'immobilier. À noter que ce qui a poussé à ce genre de technique,
C'est à partir du traité de Maastricht, de la mise en œuvre du traité de Maastricht, le fait que les établissements publics hospitaliers ne peuvent plus emprunter aux banques centrales pour pouvoir se rénover, pour pouvoir faire les travaux d'adaptation et à un moment donné de modernisation, et qu'ils sont obligés effectivement de passer par les emprunts bancaires. On aura aussi un gros scandale qui sera lié aux emprunts toxiques, avec des taux d'emprunt qui vont monter à 15, 18, 25% pour certains établissements. Appauvrissement, là je ne développerai pas parce qu'on l'a bien entendu ce matin, par la dérégulation du marché des médicaments et du matériel médical. Malgré le fait qu'on ait créé dans certains établissements des pôles d'achat de médicaments, la loi du marché imposée par les laboratoires pharmaceutiques et les politiques de certains ministres font que ces dépenses sont en train d'exploser. Et l'autre phénomène, c'est sur les matériels médicaux, notamment dialyse ou matériel lourd, avec des groupes internationaux comme Fresenius et l'Allemagne qui avait commencé par le bloc de dialyse, etc., qui est en train de se tailler la part du lion sur le marché mondial. On trouvera aussi le transfert d'activités de services publics vers le privé commercial. On va voir apparaître des directeurs dans les établissements qui, pour certains, vont même être embauchés sous contrat, même plus sous statut de service public, et qui petit à petit vont fermer des activités qui vont être peu à peu transférés vers le secteur commercial. Pour l'exemple, on a une directrice dans les hôpitaux de Paris qui, après avoir fermé 800 lits de gériatrie, va devenir directrice du groupe Corian, qui est un des premiers groupes d'Europe en matière d'accueil des personnes âgées dépendantes. Donc on va trouver ça aussi, ça va se faire pour les cuisines, où il va y avoir des gens qui font partie des groupes comme Eurest, etc., qui vont peu à peu privatiser ces activités et qui se retrouveront en position de direction dans les groupes commerciaux. D'autres spécialités ont aussi transféré par le levier de la tarification de l'activité. Et aujourd'hui en France, il y a des cliniques commerciales sur certaines régions qui ont le monopole, opération de la cataracte, tout ce qui va être bien rémunéré par la tarification à l'activité et récupéré petit à petit par le secteur commercial. Je vais beaucoup plus vite. Alors la mise en place d'une autre concurrence faussée, c'est la mise en place de lits privés à l'intérieur de l'hôpital public, soi-disant pour fidéliser les médecins. On va ouvrir la capacité aux médecins d'avoir des lits privés dans l'hôpital, avec effectivement à leur service tous les personnels hospitaliers qui géreront leur rendez-vous, etc. Mais l'autre fait pervers, c'est que quand vous téléphonez pour avoir un rendez-vous, si c'est dans le secteur public, c'est pendant 5 semaines, plus, jusqu'à 8 semaines, jusqu'à 6 mois pour certaines spécialités. Par contre, si vous rentrez dans l'activité privée, c'est dans 15 jours. Quand vous avez un cancer du sein, vous ne cherchez pas à choisir. Alors, pour alerter, la même chose est en train de se passer dans le secteur social et médico-social, qui aujourd'hui est impacté par l'introduction sur le marché des social impact bonds, qui sont nés en Empreinte de Bretagne, qui ont été développés aux États-Unis et qui arrivent aujourd'hui sur tout le marché du social et du médico-social, avec mise en concurrence d'anciennes associations qui géraient la protection de l'enfance, par exemple, des soins à domicile. On a une invasion du marché par un groupe qui s'appelle O2, par exemple, sur tous les soins à domicile. Donc pour conclure, on est sur la mise en œuvre d'une pratique qui a été théorisée par l'école de Chicago à la fin des années 30, au siècle dernier, par Friedman et von Hayek, qui préconisait, et ça on a vu se mettre en place en France, le transfert petit à petit de l'autorité du gouvernement et des ministères vers des agences. Et ici en France, on a créé la Haute Autorité de Santé, qui est une agence qui est parallèle aux services ministériels. Les agences régionales de santé, qui sont des préfectures sanitaires, qui gèrent la globalité des financements et qui en a même mise sur les restructurations. Et qu'en ce moment, on est sur une période de concentration-fusion. Et sur cette méthodologie-là, ce sont les ARS qui tranchent. Et en fait, les établissements support qui héritent de l'activité vont faire le choix sur quelle activité sera développée sur tel et tel établissement. Il suffit maintenant d'introduire le secteur privé commercial dans le circuit et le tour est joué. À toi, Rémi. Et donc, il ne s'agit évidemment pas d'une vision
exhaustive, c'est quelques exemples de mécanismes que nous avons repérés au sein du réseau européen de lutte contre la commercialisation de la santé et de la protection sociale et qui nous semble vraiment être mis en œuvre non pas par hasard mais dans une logique extrêmement bien organisée. Alors les conséquences de ce mécanisme de privatisation et de commercialisation sont nombreuses. La première sur laquelle on a pu mettre le doigt et vous en avez parlé ce matin largement, c'est la dégradation de l'accessibilité, avec des différences énormes entre les gens sur cette accessibilité. Une accessibilité qui se dégrade aussi bien au niveau géographique, à travers la concentration des activités, mais l'éloignement aussi par rapport au logement. Deuxième élément d'accessibilité limitée, c'est l'accessibilité financière avec un out-of-pocket de plus en plus grand. Vous avez vu les tableaux ce matin et leur évolution dans les différents pays, mais notamment en Italie, mais dans beaucoup d'autres pays aussi. L'accessibilité temporelle, notamment, on vient d'expliquer le report des rendez-vous, la durée des listes d'attente, et on l'a vu qu'en Italie, ça avait explosé dernièrement. L'accessibilité culturelle, enfin, c'est les notions de formatage de la prestation de soins qui font que les soins ne sont plus capables de s'adapter à la réalité des différents publics. Deuxième grande conséquence que nous avons pu mettre en avant, c'est l'incapacité qui est amenée chez les politiques d'intégrer les politiques de santé. On se rend compte qu'à partir du moment où une part importante de l'activité est prise en main par le secteur privé, le pouvoir public n'a plus la maîtrise de son activité et de sa vision politique en matière de santé publique. Et on se rend bien compte, évidemment, de cet aspect-là en matière d'effets, des déterminants sociaux de la santé et de toute la logique de prévention. C'est là le public qui doit intervenir, mais les bénéfices, eux, ils vont vers le privé. Troisième axe que nous avons pu mettre en avant, c'est la problématique de la responsabilisation des patients. Il s'agit pour nous de ces conséquences de cette commercialisation. Faute de pouvoir mettre en cause le système, il appartient dorénavant aux bénéficiaires de prouver que les dépenses de santé qu'ils génèrent, que son état de santé génère, ne lui sont pas imputables. Et donc, la sélection des prestations, la sélection des pathologies et des patients solvables contribue largement à déplacer la responsabilité vers le bénéficiaire. Nous avons aussi relevé que le bien-être global de la population diminue. L'exemple des États-Unis qui vous a été largement présenté ce matin est éclairant à ce sujet. Il n'y a pas de lien effectif entre les montants, la part du produit intérieur brut affecté aux soins de santé et l'état de la santé. Le modèle des États-Unis est un modèle qui ne fonctionne pas et qui appauvrit le bien-être de la population. La commercialisation va clairement de pair avec une détérioration de l'état de bien-être des populations. Mais, étant des syndicalistes tous les deux du secteur des services et de santé, nous ne pouvions pas non plus ne pas mettre en avant le fait que les conditions de travail du personnel de santé se dégradent largement dans les services qui sont pris en compte par le secteur privé à but lucratif. Le personnel est devenu largement une variable d'adaptation en matière de coût et de rentabilité. Alors, est-ce que l'Europe est en cause, oui ou non? Mais si vous vous adressez à l'Europe, l'Europe vous dit la santé, ça n'est pas dans nos compétences, c'est une compétence des États. Et si vous vous adressez aux États, ils vous disent c'est Bruxelles. Et donc, on est toujours relancé de l'un à l'autre dans un dispositif de ping-pong. Et qui a raison? Un peu les deux, puisque au niveau européen, formellement, la santé est plus prise en compte à travers les problématiques d'environnement, mais tout le monde sait
que l'ensemble des mesures qui sont prises à travers des mécanismes tels que les convergences budgétaires ou encore les bulletins semestriels, le semestre européen qui est remis à chacun des États, ce sont des éléments qui font une pression énorme sur les États en matière d'investissement, en matière de protection sociale et de santé. Et donc, largement, l'Europe a quelque chose à dire sur la problématique de la santé et sur la commercialisation. Mais dire que les États ne peuvent plus prendre en compte des choses, c'est tout à fait faux. Les marges de manœuvre existent au niveau local. Vos politiques, vos responsables politiques ont quelque chose à voir et peuvent faire changer les choses, y compris dans ce qui sont les mécanismes que nous avons mis en avant tout à l'heure. Enfin, nous voyons bien que la tendance à aller développer des traités commerciaux multinationaux engendre un accroissement du risque important. Quand on dit qu'on va signer un contrat qui libéralise les investissements, quels sont les secteurs où les investissements ne sont pas encore libéralisés en Europe? Cherchez, hein, à part la protection sociale, il n'y en a pas des masses. Hein. Donc, on est clairement dans cette volonté d'aller à un autre niveau, chercher excuses pour pouvoir mettre en œuvre une plus grande libéralisation, une plus grande commercialisation. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Eh bien, oui. Nous pensons, nous, avec le réseau européen de lutte contre la commercialisation et la privatisation de la santé, qui regroupe une série d'organisations à la fois syndicales du secteur de la santé, mais aussi des mutuelles, aussi des universitaires, aussi une série d'ONG au niveau européen ou au niveau national. Nous pensons qu'il y a moyen de coordonner les choses parce que la santé est vraiment un thème qui peut mobiliser à la fois les bénéficiaires et les travailleurs du secteur. Et là, pour nous, il est vraiment important de coaliser ça et de coordonner. C'est pour ça, et on en a parlé tout à l'heure, que le 7 avril, depuis deux ans, le 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé, nous organisons une journée européenne de lutte contre la commercialisation de la santé, et nous voulons, à travers cette plateforme, à travers ce réseau, à la fois mettre à disposition des outils d'analyse et de conscientisation, ou bien expliquer l'importance de la communication, de l'enseignement, de la formation sur l'ensemble du dispositif. Nous voulons promouvoir et coordonner les initiatives locales ou nationales. Nous voulons aussi les intégrer dans un programme européen qui agisse à la fois sur les décideurs locaux, nationaux et européens. Nous pensons que sous cette forme, nous sommes capables de faire changer les choses. Et dès à présent, nous étions hier en réunion du réseau européen et nous avons donc lancé la journée du 8 avril 2018 avec trois thèmes qui ont été identifiés comme prioritaires cette année. Le report des soins, c'est-à-dire les listes d'attente, le fait que les gens doivent de plus en plus attendre pour se faire soigner, les assurances privées et le complexe médico-industriel. Ces trois thèmes, nous voulons en faire des fiches et un plan d'information, de sensibilisation, mais nous voulons surtout en faire un plan de mobilisation. Ensemble, ONG, syndicats, politiques, académiques, nous pouvons, dans ce domaine, bien plus que dans d'autres, faire valoir que notre modèle de protection sociale basé sur un financement solidaire, sur des opérateurs publics non marchands, loin d'être plus cher, est à la fois plus performant et moins onéreux. Il crée en plus une société de l'insertion, de l'inclusion, qui permet à chacun de s'épanouir dans les limites qui sont les siennes, de participer à la création de biens communs en fonction de ses capacités contributives et d'en profiter en fonction de ses besoins. Merci. Merci.